Non mais la jauge est évidemment bizarre. Bon, je dirais pas ridicule ou quoi que ce soit, elle est bizarre. 30 personnes là ou 30 personnes dans une micro-chapelle dans la campagne, c'est bizarre. Maintenant, il y a les lois de la République, il y a les autres lois et on va s'y plier, puis c'est tout quoi, c'est tout. Pas de contestation. C'est quasiment comme du shopping online. Ah ouais, c'est sur un site qui s'appelle With Event, d'organisation d'événements. Voilà. Ah ben moi je resterai parce que de toute façon j'ai très envie d'aller à la messe. Je crois que visiblement il y a un pointage devant, donc il n'y aura pas plus de 30 personnes. Et puis s'il y a plus de 30 personnes, de toute façon on sera séparés, on aura des masques. Et puis je vais être honnête, moi j'ai eu le Covid au mois de mars, donc voilà. Donc je resterai. D'accord. Vous savez, moi-même, j'ai perdu mon père du Covid, donc je sais que cette maladie peut être très grave. Ouais. Les distances de sécurité étaient parfaitement respectées. Chacun voilà, était à sa place au sein d'espaces assez larges, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis de ce point de vue-là. C'était très bien organisé, on s'était inscrit à l'avance, on a pris du gel en arrivant, on s'est vraiment mis dans notre coin. Enfin, vraiment, je pense que d'un point de vue sanitaire, on ne fait pas mieux. Et puis on est tellement content de revenir à la messe que je pense que tout le monde est vraiment, vraiment prêt à jouer le jeu, mais comme c'était le cas avant aussi, donc c'est pas un sujet, je pense. Et la jauge de 30, je trouve ça un peu dommage. Parce que voilà, déjà que nous avons beaucoup de temps, nous sommes restés à l'extérieur de notre église, et bien maintenant, tout en respectant les gestes, il nous faut aussi accueillir toute notre communauté qui se sent un peu seule hein, sans l'église. Donc c'est très important qu'elle s'ouvre et que... Bon, et puis que voilà, cette jauge, elle n'est pas suffisante.